Aujourd'hui, je vais réaliser avec vous des gâteaux qui sauront plaire à toute la famille. Des cupcakes au spéculoos. Allez, au fourneau. Je commence par préchauffer mon four à 170 degrés, thermostat 5-6. Dans un saladier, je fouette le beurre préalablement fondu avec le sucre en poudre et la vanille. J'ajoute l'œuf, la farine, la levure chimique, le chocolat en poudre et je mélange bien. Puis j'incorpore le lait et 6 biscuits spéculoos que j'ai concassés à l'aide d'un mortier. La pâte est prête. Il ne me reste plus qu'à remplir les moules à cupcakes aux 3/4 à l'aide d'une cuillère et de les glisser au four pour 18 à 20 minutes de cuisson. Pendant ce temps, je prépare mon glaçage qui me servira à napper les petits gâteaux. Dans un blender, je commence par mixer 10 spéculoos avec le mascarpone. Dans un bol, je verse mon mélange de mascarpone spéculoos, le sucre glace et j'incorpore enfin le lait. Je mélange bien et j'obtiens alors un glaçage crémeux et assez compact. Nos cupcakes sont maintenant cuits. À l'aide d'une poche à douille remplie de mon glaçage, je nappe leur surface. Il ne me reste plus qu'à les décorer avec les spéculoos restants et à les dévorer. Et n'oubliez pas que la plupart des ingrédients de cette recette sont disponibles dans votre magasin Leclerc avec la marque Repère. Bon appétit et à bientôt !